Longtemps jonché par des ordures et des bains de cochons de toutes sortes, l'avenue Kassai sera bientôt rénovée. La chargeuse n'enlève pas seulement les immondices, elle amorce également les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassai. Cette artère de la commune de Manika qui marque le début des travaux de la voirie urbaine est réputée en insalubrité. À peine installée à la tête de la commune de Manika, Thierry Mujinga Sambumba voulait voir cette artère et bien d'autres changer de couleur. Chose faite. Le ministre provincial des infrastructures, Célestin Machatakaye, aux côtés du maire d'écologie, Jacques Massengo Kindele, a procédé au lancement officiel des travaux. L'avenue Kassai sera pas dans très longtemps réhabilitée en terre battue sur une distance d'environ 1 km avant d'envisager son asphaltage. Les travaux de drainage sont aussi au rendez-vous. L'avenue Kassai accueille les marchés Mutiyabuluma, un lieu de négoce qui attire la convoitise de tous les acheteurs des quatre coins de Kolwezi. Les commerçants savent comment gérer leur avenue. Hommes et femmes sont tous en botte. Ceux qui ne sont pas avertis patogent sans aucune forme de procès dans la boue. Une inquiétude qui trouve satisfaction sous l'aigle du bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba. Les marchés encouragent l'initiative communale matérialisée par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini. Maintenant, comme nous avons le bourgmestre, nous avons fait un peu de temps. Nous avons encouragé tout le soutenir. Au premier jour, les ouvriers ont amorcé les travaux de terrassement et d'amassage d'immondices.